Pernod Ricard, c'est un ensemble de 19 500 personnes à travers le monde. C'est une activité qui a complètement été transformée en 35 ans quand Pernod Ricard a été créé par le rapprochement de Pernod et de Ricard. À l'époque, toute l'activité était française et aujourd'hui, l'activité est majoritairement étrangère. Toute la réussite de Pernod Ricard a été basée sur la prise de décision, sur les hommes. Et ceci vient de la façon dont nous procédons. Nous sommes un groupe décentralisé. Étant décentralisé, nous avons des gens qui prennent leurs propres responsabilités. En un mot, si Pernod Ricard a réussi, tout en étant français et fier de l'être, c'est parce que les décisions pour le whisky sont prises dans les pays où on produit le whisky et dans les pays où on le vend. Elles ne sont pas prises à Paris. Ce sont les opérateurs, nos opérateurs, qui décident de ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons un chiffre d'affaires complètement réparti. Nous avons la chance d'être sur des pays mûrs. La France, on peut considérer que c'est un pays mûr. Et nous avons la chance d'être sur des pays émergents. Elle est familiale parce qu'elle s'appelle Pernod et Ricard, donc c'est les familles d'origine. Elle est encore familiale parce que l'actionnaire de référence est une famille, la famille Ricard. Mais sur le plan de l'actionnariat, il est majoritairement non familial. Ceci étant dit, nous avons les deux bonnes choses de la famille, le respect, respect de notre histoire, respect de nos marques, respect de nos collaborateurs et de l'entreprise publique, la transparence. Le groupe Pernod Ricard aujourd'hui, pour ne pas vous noyer de chiffres, c'est 10%, tout juste 10% de son activité en France et 90% donc de son activité à l'extérieur. Et la répartition des profits suit la répartition du chiffre d'affaires. Pernod Ricard, c'est un opérateur dans 70 pays et donc nous avons créé notre propre réseau partout. Mais un réseau qui se nourrissait avec les marques que nous avions. Et puis on s'est dit que comme nous avions le réseau, si nous pouvions rajouter des marques, ça permettrait d'être beaucoup plus efficace. Et donc nous avons commencé à faire notre politique d'achat de sociétés avec de belles marques. Nous reposons sur des hommes, des femmes, avec lesquels le groupe entretient une grande loyauté. C'est la loyauté, bien sûr, des hommes et des femmes vis-à-vis du groupe, mais qui a sa réciproque dans la loyauté du groupe vis-à-vis de ses cadres. Ça a été à la base de très grands succès du groupe. Nous avons cette chance que notre industrie est très peu polluante. Nous sommes peu utilisateurs d'énergie, nous produisons finalement assez peu de déchets non recyclables, et ça je crois que c'est effectivement une chance. Nous sommes aussi consommateurs d'énergie à travers nos distilleries. Elles consomment 30% de moins qu'il y a une dizaine d'années. Nous sommes d'ailleurs en position de pouvoir répondre aux normes communautaires jusqu'à l'année 2020. Alors l'avenir, ça se construit sur des bases, et chez Pernod Ricard, elles sont solides. Ces bases nous permettent de regarder effectivement l'avenir avec beaucoup de sérénité, quelles que soient les turbulences économiques que nous pouvons rencontrer à court terme. Nous faisons croître nos parts de marché parce que les produits que nous offrons aux consommateurs sont des produits de haute qualité, ce sont des produits premium, et c'est précisément ce que recherche le consommateur aujourd'hui. Il veut des produits de marque qui représentent un style de vie, nous les lui offrons. L'alcool est un facteur de vie sociale, c'est aussi un risque. Et ces risques, il ne faut pas les ignorer, il faut au contraire les accepter pour justement pouvoir les éviter. L'avenir du groupe, à court terme, baisser notre dette, à moyen long terme, poursuivre notre politique d'expansion. On savait où nous voulions aller, être parmi les leaders mondiaux. Nous sommes co-leaders maintenant, donc c'est pas mal.